chaussettes du matin, les yeux collés sur l'oreiller. Est-ce vraiment le moment opportun pour me rappeler que je dois avaler mon café, prendre une douche sans trop traîner? Il me dit, faut faire avec, ce soir on joue à Saint-Julien. J'ouvre à la page 302 du Michelin 2002, et puis je le calme. C'est merdique. Alors c'est vrai que c'est Christian. Bon, écoute, t'emmerdes pas avec les départementales, tu prends la nationale, tu passes, il n'y a pas les caravanes qui t'emmerdent, peut-être que t'arriveras à l'heure. Tu veux me raisonner, c'est pour pas là que je veux passer. Ce soir je fais un test et j'irai à Saint-Julien du Bec, mais en passant tard, la 10-117. C'est fou comme c'est chouette. Si vous n'êtes pas trop pressé, je peux que vous recommander contre les maux de tête. La 10-117, c'est collines de vignes et ses fleurs d'oranger. C'est pas la nationale 7. C'est pas la fête, mais plutôt soleil, montagne, ma fille, fromage de chèvre et champs de vigne. On est loin du métro parisien, du périph' de Port de Saint-Ouen. Tu pars, je fais avec, ce soir on joue à Saint-Julien-du-Bec. Non, je regrette pas le détour, mais je peux rouler les vitres ouvertes. Les cigales sont dans leur grand jour, et ça sent bon au retour. Je m'arrête. Un grand bol d'air anti-jaune, servi par les autochtones. J'y reste quelques jours, je regrette pas le détour. Par la descente 17, c'est fou comme c'est chouette. Si vous n'êtes pas trop pressé, je ne peux que vous recommander entre les mots de tête. La 10-117, c'est comme une de vigne et ses fleurs d'oranger. Et si vous avez fait, si vous savez siffler, c'est le moment.